On attend maintenant pour rencontrer un personnage important. Donc on a là-bas le manoir hanté, il y a le bateau aussi à roues, là le train de la mine. Et on va rencontrer un personnage, une mascotte si on peut dire, qu'on n'a encore jamais rencontré. Vous allez voir, on va bien sûr vous faire partager cette expérience. Les copains et les copines, on va voir si vous le reconnaissez. Alors la mascotte a disparu, voilà, au moment où c'est notre tour de passer. Bon, on espère qu'il va bientôt revenir. Ça y est, il est de retour. Ah, allez. Ça va être le moment de la rencontre, mais il a de nouveau disparu. Oh, il est là, regarde. Il se cache. Bonjour mes amis, vous allez bien? Excellent, merci. Vous avez passé une bonne journée? Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes beau comme ça. Bon les garçons, vous êtes des youtubeurs? Oui. C'est vrai? Wow. Mais oui, c'est des youtubeurs. C'est quoi YouTube? C'est quoi YouTube pour Monsieur Jack? C'est une technologie, tu connais pas ça. Une technologie, d'accord. Ça n'existe pas en Halloween. Bon, bah alors félicitations, on the one et à bientôt. C'était comment cette rencontre avec Monsieur Jack? Ça vous a plu? Tu m'as parlé de YouTube et de Frisket. J'ai dit quoi? C'est quoi YouTube? Eh ben oui. Dans le monde de Monsieur Jack, ça n'existe pas YouTube, forcément. Il y a encore des fantômes partout. On est cerné par les fantômes. Il y en a encore un ici. Il est joli celui-là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le chapeau du chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles. Ça te va très bien. Oh, regarde comme c'est joli. Tous les mugs avec les personnages en version mexicaine, justement. Ah, ça c'est sympa. Wow. Ah, j'aime bien. Sont jolis ces mugs, super jolis. Alors bien sûr, vu qu'on vient pour Halloween, on ne pouvait pas rater cette attraction. C'est parti, nous rentrons dans le manoir fantôme. 45 minutes d'attente quand même. Hein. Swan, t'es sûr, on y va? On peut rentrer par la sortie? Non, on peut pas là. T'es sûr, on y va quand même? On tente. Bah, Swan est super motivé évidemment. Swan, il adore les maisons hantées, alors voilà. Et 45 minutes plus tard, nous entrons dans la maison hantée. Alors en fait, non, on a failli rentrer, mais ce n'est pas encore notre tour, donc nous patientons encore et encore. Ça y est, on rentre. On ne sait pas encore si on va pouvoir ressortir, mais pour l'instant, on est rentré. C'est déjà ça. Ah, la dame est apparue. Nous entrons maintenant dans la deuxième salle. Avec tous les tableaux. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Les murs de cette pièce, par exemple, ne s'allongeraient-ils pas par hasard? Et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a ni fenêtre. Quel angoissant problème à résoudre. Par où sortir? J'ai bien peur que vous soyez contraint de me suivre. C'est bon, on a trouvé une sortie. Peut-être ressentez-vous. Il y a plein de trucs bizarres quand même, hein. N'ayez pas peur. T'as pas peur, petit Swan, pour l'instant? Non, pas peur, c'est bon. Oh, il y a des toiles d'araignée de partout. Oh. Encore des toiles d'araignée de partout. Il fait peur, lui, hein? Bien. Vous êtes prêts? Je sais que ça fait pas peur, on sait pas en fait. Allez, on est parti! Ah.
voilà la mariée. C'est une dame dans une boule de cristal. Garçon, les fantômes. Ils apparaissent et après ils disparaissent, t'as vu? Elle va pas en entier. Voilà, voilà la mariée. J'ai un peu peur lui quand même, hein. C'est un chien gentil, tu crois? Je suis pas sûre. Regarde celui-là. On est sous la terre, regarde. Les entrailles de la terre. Bon, Swan n'a pas l'air trop effrayé, ça va. On l'avait déjà faite, mais ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas refaite. Et ça ne se souvenait plus bien. Et maintenant, eh bien, il commence à faire nuit. Regardez ça, les lumières commencent à s'allumer. Regardez les fantômes. Ils jouent au badminton. Peut-être avec les citrouilles d'ailleurs. Ça, c'est l'arrière de l'endroit où on est venu tout à l'heure pour faire les photos avec Monsieur Jack. On n'avait pas vu que ça faisait une tête effrayante comme ça. Et que même sur le petit parasol qu'il avait au fond, il y a également, voilà, une déco d'Halloween. Excellent le détail. Alors les garçons, qu'est-ce que vous avez préféré dans cette journée d'Halloween? J'ai trouvé le décor mexicain. Ah, plutôt le côté mexicain. La maison hantée pour Swan, d'accord. Bye bye et plein de bisous. Bisous. Super bisous. Il fait très peur. Au secours, on s'en va. Et voilà, on dit au revoir à Disneyland Paris. Oh, c'est trop beau. À bientôt, Disneyland.